le ministère des Finances et de l'Économie est très heureux de participer à la création du Fonds Mosaïque, un fonds qui s'adresse aux communautés culturelles, et la deuxième phase, si on peut dire, du Fonds Afro-Entrepreneur. En fait, c'est de l'argent qui est offert aux entrepreneurs des communautés culturelles, comme des entrepreneurs africains de chez nous, pour créer des emplois chez nous en collaboration avec Fondaction et Filaction. Et je vais laisser monsieur expliquer plus en détail le fonds, à qui il s'adresse et les modalités. Oui, en fait, nous avons deux initiatives au niveau des communautés culturelles. La première, c'est le Fonds Afro-Entrepreneur qui s'adresse aux membres des communautés noires du Québec, que ce soit francophone, anglophone, du monde qui vient de l'Afrique, des Antilles ou d'ailleurs, tant aussi longtemps qu'ils se considèrent dans la communauté noire. Et la deuxième initiative s'adresse à plus large, à toutes les autres communautés. Les investissements ou les prêts que nous faisons, parce que ce n'est pas des subventions, ce sont des prêts, c'est entre 5 et 25 000 $. Cependant, il pourrait y en avoir des initiatives qui ont besoin de beaucoup plus que 25 000 $. Filaction peut combler la différence. La durée des investissements peut varier de 6 mois à 3 ans. Bien sûr que si les investissements demandés sont plus de 5 000 $, une période additionnelle beaucoup plus longue pourrait être déterminée. Alors, Fondaction est très fière de participer à cette annonce de cette initiative du Fonds Mosaïque avec Filaction, soutenue par le gouvernement du Québec. C'est extrêmement important et ça s'inscrit dans la foulée d'une première expérience qui date depuis 2008 avec le Fonds Afro-Entrepreneur. Et voici que est rendu disponible aux entrepreneurs de l'ensemble d'autres communautés culturelles un accès important à du financement, au démarrage de l'entreprise et aux entreprises plus récentes. Alors, ceci est important pour rendre adapté un financement qui, souvent dans les conditions traditionnelles, n'est pas rendu accessible de la manière adaptée qu'il le faudrait. Et voilà qu'avec Filaction, ceci est soutenu par le gouvernement du Québec, voilà que sera rendu accessible. Et puis ensuite, là, au fur et à mesure que les besoins s'accroissent, comme le disait le directeur général de Filaction, Milder Villegas, eh bien, ils seront en mesure de continuer à accompagner les entrepreneurs qui contribuent partout sur le territoire du Québec. Filaction, avec le Fonds Mosaïque, est accessible.